Nous allons partir pour la Tunisie. Pourquoi la Tunisie? Ben, vous le savez, il y a des élections présidentielles. C'est important dimanche. Nous sommes jeudi et nous sommes en reportage en Tunisie. Nos envoyés spéciaux qui sont Marie Monnier et Benoît Ballet. Et ce matin, nous allons parler des femmes. Il y a 20 candidats en lice. Deux femmes, je crois. Deux femmes sur les 20 candidats. Les autorités tunisiennes ont mis en place une importante campagne de sensibilisation pour encourager toutes les femmes, toutes les Tunisiennes, à aller voter, notamment dans les régions rurales plus reculées. Reportage. En Tunisie, les femmes se mobilisent. Marie Monnier et Benoît Ballet. Des centaines d'hectares de champs de courges entrecoupés de routes au bitume usé. Au loin, on devine la ville de Kalat al-Andalus. Ibtissem y a grandi, elle y habite toujours, avec son mari agriculteur et leurs trois enfants. Entourée de ses amis de la coopérative agricole, elle se prépare à aller voter pour la première fois de sa vie. Ibtissem a 35 ans. C'est la première fois que je suis inscrite sur une liste électorale. Les équipes en charge des inscriptions m'ont interpellée dans un supermarché. On a pris mon nom, prénom, carte d'identité et on m'a dit qu'il fallait que j'aille voter dimanche. Et maintenant, j'attends le jour du vote avec impatience. En 2014, je ne savais même pas qu'il y avait une élection présidentielle, je l'ai su le jour même. Ici, on habite loin de la ville. C'est aussi pour ça que je n'étais pas au courant. 26 candidats en lice, difficile de faire un choix, mais cette mère de famille souhaite que le prochain président prenne enfin des mesures pour lutter contre le chômage des jeunes. Je veux que mes enfants réussissent leurs études, qu'ils travaillent et qu'ils aient un diplôme, pas comme les jeunes d'aujourd'hui. À une quarantaine de kilomètres de là, Chadlia et sa fille Sana n'auront que 500 mètres à faire à pied pour aller voter. Dans cette famille, la conscience politique se transmet de mère en fille. Chadlia, 70 ans, n'a jamais raté une élection. Moi, j'ai toujours voté pour Bourguiba, pour Ben Ali, pour Essebsi. Et cette année encore, j'irai voter. C'est un honneur pour moi en tant que femme. En Tunisie, si une femme veut aller voter, elle peut le faire. Nous sommes libres. Une fierté que partage Sana, 40 ans, professeure d'allemand en recherche d'emploi. C'est une chance qu'au moins deux femmes soient candidates. Ça veut dire que si moi aussi un jour je veux me présenter, alors je pourrais le faire. En revanche, leur programme, je ne suis pas convaincue. Sana voit déjà au-delà de ce scrutin présidentiel. Elle espère qu'un jour, une femme gouvernera la Tunisie. Merci, le reportage de Benoît Ballet et Marie Monnier en Tunisie. Il est